Seconde Épître aux Thessaloniciens, chapitre 1 premier, premier paragraphe, versets 1 et 2 Paul et Sylvain et Timothée à l'Assemblée des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième paragraphe versets 3 à 12 Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous frères comme il est juste parce que votre foi augmente beaucoup et que l'amour de chacun de vous tous l'un pour l'autre abonde en sorte que nous-mêmes nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu au sujet de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les tribulations que vous supportez, lesquelles sont une démonstration du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Si du moins c'est une chose juste devant Dieu, que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation, et que de vous donner, à vous qui subissez la tribulation, du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa puissance, en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, quand il viendra pour être dans ce jour là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que notre Dieu vous juge digne de l'appel, et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi en puissance, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.